Black M, lourd. Lourd, lourd, lourd. T'as invité toute ta famille, à quand ils ont foutu le dawa? Il n'y avait pas ma famille, mais j'ai reconnu des gens du public qui étaient là à différents zéniths qu'on a fait. Franchement mortel. T'as retourné le zénith de quand? Tu sais c'est quoi le problème? C'est que ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène. Donc j'ai perdu légèrement l'habitude. Mais là, il me redonne envie de faire toute la France, tous les zéniths de toute la France. J'espère que ça va marcher. Ça va marcher d'ailleurs, avec les yeux plus gros que le monde, début 2014. Les gens, ils t'ont réservé un très très bon accueil sur ton son ailleurs. Ouais. Je vais pas m'en vanter, mais c'est qu'on a fait le taf, tout ça. On a fait le taf. C'est spécial du coup de monter pour toi tout seul sur scène. T'as eu rep, t'as eu. Disons que ça m'a rappelé des souvenirs. Parce que quand j'ai débuté, sans section d'assaut. Là, ça m'a remis dans le mode solo d'il y a 10 ans. Et du coup, tranquille en vrai. Tranquille. Ambianceur. Comment tu trouves ça, le fait de partager la scène avec d'autres artistes? C'est un vrai kiff, des vrais artistes, des artistes qui sont de ta génération en plus. C'est mortel parce que déjà, là, on se connaît, on s'entend bien. Et c'est des gens que j'ai écoutés avant de percer. Donc, Orelson, Youssoupha, Canardo, Casseur Flotteur, mortel. Un kiff, tout simplement. C'est le dream.